Hydro-hélicoptère 4, 4, 4. Toujours sans nouvelles, naufragé hélicoptère transatlantique Bahama 8, 8, 8. XC3PK radio Papa Noya, passager hélicoptère Bahama 8, 8, 8, sauvé. Sont sauvés également deux étalons et 12 taureaux. Ont disparu deux passagers Adam Preciosio, un très riche éleveur de Mexico, El Curo Calvo, ex-torero naturel de Séville. Avis à l'hélicoptère 444 en patrouille nocturne. Rentrez immédiatement, abandonnez les recherches, terminé. Sur les remparts de Séville, c'est mon ami Aspasia. Oh! Et puis c'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger? Ça se peut. Mais j'ai beau contempler la position du soleil, je ne sais lire que dans la lune. Et en tout cas, Adam, arrête donc de boire si tu pêches rien, tu vas te rendre malade. N'en crois rien. Puis d'ailleurs, ça me fait oublier que nous sommes naufragés. J'aime bien être ici, on est tranquille. C'est mieux que d'être en compagnie de mon épouse et de ma belle-mère. Elles font une belle paire, hein, les garces, maudit soit le sexe dit faible. C'était promis que nous n'en parlerions plus. Bien sûr, tu as raison. Alors, de quoi parler? Des poulettes. Bon, entendu, mais c'est drôle, il me semble que nous parlions d'elles. Non, nous parlions de tigresses, et c'est un animal bien différent. Elles sont toutes les mêmes, plus fausses les unes que les autres. Je n'ai été blessé qu'une fois, et ce n'était pas par un taureau, mais par une vache. Très mignonne d'ailleurs. La fille est de feu, et l'homme est d'étoupe. Et Satan leur souffle quelque part. Je ne crois pas au diable. Si le diable existe, qu'il me fasse attraper une morue. Prends garde. Ça y est, ça mord! J'ai une touche! C'est une sirène! Aide-moi à la remonter! Tiens, regarde!
C'est une sirène, une vraie sirène. Tu es sûr, tu as bien vu la queue? Oui. Oh, je te jure, c'était une sirène. Elle était là. Je suis sûr que c'en était une. Elle avait une grande queue, grosse. Comme ça. Et tu ne parles que de sa queue. Elle avait donc pas de tête, ça? Sa Majesté pour le chef du protocole. Sa Majesté aux Beaux-Arts. Sa Majesté pour le grand couturier. Qu'il fasse préparer tous ses modélistes pour se rendre au palais. Non, non, pas ce soir, je regrette. Une jolie fille m'a déjà invité. Un autre jour, avec plaisir. Sa Majesté est dans ses appartements privés. Que l'on fasse entrer les 7 futurs époux de Sa Majesté. Gloire éternelle à notre bien-aimée souveraine, Ève 42. Toute ma sagesse vous appartient. Je dépose mon savoir à vos pieds royaux. J'infuserai ma science dans votre tête vénérée. En tous les moments, ma conversation vaudra son pesant d'or, Majesté. Je salue en vous tous l'expression de l'émouvante grandeur de mon règne. Et j'accueille vos portraits chéris comme la preuve de votre amour profond et de votre résolution inébranlable de servir la grandeur du royaume de l'Éden. Accrochez ces cadres à la place indiquée par la tradition et le protocole. Asseyez-vous. Notre mariage aura lieu le jour 242. Le jour 247, nous partirons passer notre lune de miel à Trudadoukoula. Ultra urgent pour Sa Majesté. Ultra urgent pour Sa Majesté. Madame la ministre de la Marine désire lui parler. J'écoute. Majesté, deux hommes sans barbe s'approchent de la côte dans un engin bizarre de l'air préatomique. Deux hommes sans barbe. Que l'on amène ces phénomènes en ma présence et que se rendent immédiatement à la salle 37 ma secrétaire et la ministre de la guerre. Et dans 600 minutes, nous recommencerons notre scène d'amour. La secrétaire de Sa Majesté, l'excellentissime ministre de la guerre, discute dans le calme de la résidence de la ministre des décrets vitaux que doit décider le Conseil. À quoi penses-tu? Tu ne peux pas faire attention, voyons, tu es dans la lune. On dirait que c'est la première fois que tu joues. Excuse-moi? Elle pense à la belle barbe frisée de Raoul. Il est marié, là. Qui veut boire quelque chose? Non, je t'en prie. Laisse-nous, ton mari va servir. Léon, apporte-nous le champagne, mon poulet. Tu le trouveras dans le bar. Du cliquot synthétique? Duquel? De celui qui donne des idées. Bon. On peut d'ailleurs avoir quelques idées sans l'aide du champagne. Hein? Quel genre d'idées? Non, que le ministère de l'Intérieur dépense trop. Bientôt, il fera concurrence au ministère de la Gabegie, qu'on appelle à tort économie nationale. Alors, gentil tricoteur, ça marche? On travaille? Oui, toujours. Il faut bien, mais on se distrait aussi. Margarito nous raconte les ragots de la cour qu'il a entendu chez le marchand de pommes de terre. Léon, tu as fait un rôti au moins? Oui, j'ai acheté un morceau dans la culotte. Ne laisse pas trop cuire et nettoie les cendriers. Oui, chérie. Ton mari est un ange. Un peu trop, oui. Si j'en rencontrais un dans son genre, j'achèterais tout de suite. Il est trop chou. C'est un amour. Double 6. J'avais pensé que nous tiendrions aujourd'hui notre assemblée générale. Mais naturellement, au lieu d'être parti à la cérémonie de la présentation des 7 époux de Sa Majesté, ces dames ne rêvent que Dieu. La mienne me laisse seule le soir. Sais-tu à quelle heure elle est rentrée de je ne sais où la nuit dernière? Comme la mienne, je parie à 3 heures. Un jour, je retournerai chez ma mère. Léon, as-tu rédigé le projet des statuts de notre parti indépendant masculiniste? Comment sont indiquées toutes nos revendications? Écoutez et vous le saurez. Primo, le droit de vote au sexe masculin. Secondo, égalité des droits pour occuper des postes dans l'administration. Tertio, permission de fumer en public, d'entrer dans les cafés, de nous marier selon nos goûts et nos tendances à partir de l'âge de 30 ans révolu. Attention, attention! Sa Majesté demande immédiatement son palais, sa secrétaire et l'excellentissime ministre de la guerre.
Deux hommes sans barbe viennent d'arriver. Deux hommes sans barbe? Oh, oh. Ça, c'est drôle. Tu avais raison. Je vois des sirènes. De ma vie, je n'en ai jamais vu de si grosses. Où donc? Où sont-elles? C'est extraordinaire. Elles sont belles comme le jour. Il y a quelque chose de bizarre là-dessus. Des sirènes avec tout ce qu'il faut pour plaire. Vous êtes prisonnier. Tentez pas, ma petite sirène chérie. Oh, tu as un air sévère qui te va mal. Fais-moi un sourire. Oh! À terre, fille de cet homme. Non, assez, non. Mais laissez-moi. Non, pour moi. Beaux garçons. Qu'ils sont élégants. Et sympathiques. Et imberbes. Ces deux hommes peuvent être les sauveurs du parti autoritaire masculiniste. Ce sera de précieux alliés. Ainsi le veut la tradition. Toutes ici sont libres de prendre un mari à leur goût. Et moi, au contraire, je dois prendre ceux que la science désigne. Et ils sont toujours vilains. Vilains et vieux. Toi, on te soigne. On te dorlote comme un dieu. On te donne à manger. Allô, Majesté. Moi, je dois... Allô, Majesté. Les êtres aux joues nues sont dans la salle 37. Je te quitte quelques instants. Regarde-les bien. Étudie-les et tu me diras celui que tu trouves le mieux. Bon sang, quel tapage, tu entends? Oui, ce sont les trompettes de Jéricho. Qu'est-ce qu'on va devenir? Calme-toi, voyons, calme-toi. Ça se passera. Non, j'ai peur. Sa Majesté, la Reine. Oh, c'est sans doute la donzelle de la statue. Ça doit être la plus laide de toutes. Oh. Regarde. D'où êtes-vous? Je suis de Mexico. Lui est espagnol. Que venez-vous chercher en Éden? Oh, nous sommes ici par hasard, mais nous ne cherchons rien. Me direz-vous pourquoi on nous traite comme des bandits, comme des bêtes féroces? Des hommes. Mais il en faut. Et à votre entière disposition. Est-ce qu'il y a souvent des bateaux pour repartir d'ici? Ne pourrions-nous parler sans ces bijoux royaux? Répondez, c'est tout. J'ai horreur qu'on pose des questions. Mais alors... Sachez qu'aucun étranger ne peut quitter la terre de l'Éden. Si aucun homme met le pied dans ce pays, il tombe aux mains des femmes. Alors, ce sont les femmes qui gouvernent ici? Bah, naturellement. Eh bien, à côté de celles-ci, les vaches espagnoles sont des agneaux, mon vieux. On n'a encore jamais vu ça. Les hommes gouvernent chez toi? C'est ce qu'ils disent. C'est tout à fait contre nature, c'est ridicule. L'homme est fait pour le coin du feu. La femme, pour les affaires. Elle est plus adroite, plus comédienne. Votre unique supériorité sur nous, c'est que vous, vous ne craignez pas de perdre la ligne lors de la procréation. La femme était maîtrise. L'homme n'est que récepteur. Projeter, administrer, courtiser et séduire sont des attributions féminines. Et les enfants, d'où sortent-ils alors? Ils sont importés. D'où sortent donc ces jeunes gens merveilleux? Madame le ministre de la guerre,
procéder ainsi que nos coutumes l'exigent à l'arrestation des étrangers qui ont pénétré dans notre royaume. Adjudant, faites-les incarcérer. Encadrez les prisonniers. En avant, marche! Nous allons immédiatement procéder à l'interrogatoire. Adjudant! Depuis quand traite-t-on des prisonniers de cette façon? En avant! Marche! L'homme est fragile. On ne doit jamais battre un homme, même avec une fleur. T'adore. Que l'on procède comme de coutume. Moi, je crois que ce pays va m'aller comme un gant. Et qu'est-ce qu'elles vont faire de nous, ces sauterelles? Ce qui est naturel. Comment? Ici, qu'est-ce qui est naturel? D'être vendu publiquement aux enchères comme esclaves. Parce que vous êtes des esclaves? Naturellement, tiens. Car l'homme dans ce pays né reste toujours esclave. Mais pourquoi aucun de vous n'a-t-il eu l'idée de se raser la barbe? Voyons, vous ignorez sans doute ce que dit l'article 34 de la Constitution. Oui. Oh, j'ignore le 34 et j'ignore les 33 autres. L'article 34 est très précis. Il dit que l'homme est un animal à la barbe très longue et aux idées courtes. Et quand vous vous mariez, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons la propriété exclusive de notre épouse, laquelle est dans l'obligation de nous entretenir. Très bien, c'est une aubaine. Je vais me marier tout de suite. Mais au cas où l'on sert de près, enfin de très près, une de vos citoyennes, qu'est-ce qui se passe? Bien, on ruine sa réputation et les autres dédaignent vos charmes usés. Oh. Une occasion splendide, une occasion inespérée, une occasion insoupçonnée. Deux esclaves imberbes, deux. Qui désire le premier? Regardez-le, regardez-le bien. Que dis-je? Regardez-le, admirez-le. Un article que vous ne retrouverez jamais. Voyez cette allure, ce thorax, ses bras, ses mains, ses pieds et tout le reste. Voyez cette belle denture et ces belles joues satinées. Ce nez grec parfait et délicat, c'est une pièce à mettre dans un musée. Qui offre 25 vaches pour ce corps svelte et parfait qui ne peut que satisfaire les vrais connaisseurs. 25 vaches, mesdames, 25 vaches. 26, 27, 26, 29, 30 vaches. 30 vaches pour ce splendide article, pour ce biscuit, pour ce ravissant anagra aux muscles d'acier, à l'ovale parfait. Allons, 30 vaches, qui dit mieux, mesdames? 50 vaches, 51, 60. 61, 70, 80, 90, 95, non, 150 pour moi. Ouais, c'est honteux de penser qu'un matador célèbre vaut 150 vaches. Tu vas voir le prix que moi je vais atteindre. Où? Ce sera un record. Oh, tu te vantes. Ce sera déjà pas mal s'il fait 4 vaches maigres. 500 vaches. 500, je dis 500 vaches. Adjugé et vendu 500 vaches à notre ministre de l'économie. Vous avez du goût. 500 vaches. Je compte sur vous pour qu'on le livre chez moi immédiatement. Je vous demande pardon. Et voici maintenant l'esclave le plus extraordinaire qui soit jamais passé par mes mains. Voyez, regardez, détaillez, quel biceps, quel triceps, quel côte là. Voyez, mesdames, regardez quelle garde, quelle élégance. Tu l'as dit. La mise à prix est de 50 vaches, monnaie nationale. 51, 55, 60, 67, 70, 80, 85, 150, 180 vaches. Et 500, 501. 1000 vaches, 1001, 1002, 1500 vaches. On n'a jamais vu si elle laissera jeûner ses régiments pendant un mois pour se payer celui-là. 1500
Chénis et 10 vaches Angora. 1502, mon mari est à 9 et mes trois aînés. 1525, 1530, 1550, 1600, 2000. Alors, qui dit mieux? Adjugé, vendu 2000 vaches à notre excellentissime ministre de la guerre. Passez-le au DDT. Livrez-le-moi au palais ce soir, sans faute. Brassez-le comme il faut. Madame la ministre de l'Intérieur. Tous mes respects, Majesté. Il s'agit de ces deux étrangers qui furent vendus ce matin aux enchères. Selon des rumeurs qui courent dans la capitale, ce seraient des agents du parti masculiniste. Ce sont de vils calomnies, des potins de cour, Majesté. Ce sont deux enfants charmants et sans mauvaise intention. Je suis de cet avis, moi aussi. On oublie de dire, Majesté, que la ministre de l'économie a acheté le petit torero d'Espagne et que celle de la guerre s'est offert l'Adonis qui a tourné la tête à toutes les belles dames de la capitale. C'est un fait sans précédent. Ce sont mes ministres qui se sont donnés en spectacle d'une façon écœurante, en se disputant à des prix exorbitants des esclaves étrangers dont elles vont faire leurs favoris. Que dirait mon illustrissime ancêtre Ève Première? De telles choses ne peuvent que donner de l'importance aux hommes et saper les bases du régime. Majesté! 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 Quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. Mais les choses ne se passeront pas ainsi. Et ces esclaves seront expropriés comme de vulgaires bicoques. Et ils seront payés selon leur valeur fiscale. Leur valeur fiscale est 50 vaches. C'est largement suffisant. Je donnerai 10% de dédommagement. Et considérez-vous très favorisé. J'aurais pu très bien les faire réquisitionner et vous infliger une amende. Et une fois expropriés, que décide votre majesté au sujet de ces deux malheureux? J'ordonne qu'on les inscrive au service du palais royal. Où l'un sera valet de chambre et le plus fort sera manucure. Oh, oh. Quel est le jeu que tu aimes le mieux, Adam? Monter à cheval. Monter à cheval, oh, c'est impossible, voyons. Oh, quel menteur adorable tu fais, Adam. Mon petit, je crois que nous allons devenir de grands amis. Vous croyez? Oui. Tu as déjà été fiancé dans ton pays? Oh, pas précisément, non. Mais presque marié. Tu es content de ton métier? Oui, très. Ça me rappelle mes chevaux. Pourquoi? Ben, je leur faisais à peu près ce que je fais ici. Je n'arrêtais pas de les pomponner du matin au soir. Je leur passais les sabots au lion noir. Et il m'arrivait de natter leur crinière. Tu as beaucoup de travail ici, n'est-ce pas? Elles me rendront fou, allié. J'ai des rendez-vous sans arrêt, toute la journée, à toutes les heures du jour et de la nuit. Mais surtout, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai mal à la joue. Pourquoi? Aussitôt que j'arrive chez une dame, il faut qu'elle me la tâte. Ah. Oui, tu dois être très fatigué, pauvre chou. Viens avec moi, viens te reposer, mon coco. Inquiète-toi. J'ai des ongles affreusement sales. Jamais je n'ai un moment de libre. Demandez le manucure. Il est en main chez la ministre de la guerre. Il ne la quitte pas. Cette chère ministre se soigne un peu trop. Elle se rend ridicule. Allez le chercher. Tiens, bois un peu de champagne. Ça donne des forces, c'est excellent. Sa Majesté demande immédiatement le manucure 8X dans la salle 13A. Sa Majesté demande immédiatement le manucure 8X dans la salle 13A. Allez, prends tes brosses, Adam. Oh, quel ennui! Sûrement, elle tient à se faire belle pour recevoir ses 7 futurs maris. 7? Oui, ça te paraît beaucoup. Oh, ça peut être drôle. Va, parce qu'elle doit t'attendre. J'y vais. Les jeunes donnent. Je me donne, mais il y en a beaucoup trop. Chacun son tour. Oui, oui, la publique d'abord. La publique d'abord. Mademoiselle, que signifie ce tapage? Il n'y en a que pour lui, alors. Que l'on donne? Oh, le petit torero est bien plus gentil. Respectez en tout cas sa condition d'homme. Il n'y a rien qu'il fasse que je ne puisse faire aussi bien. Alors, fichez-lui la paix. Garde à vous. Que se passe-t-il, adjudante? C'est un scandale.
Toute la garde est en folie, alors. Allons, mesdemoiselles. Dépêchez-vous. Attention. Maintenant, garde à vous. En avant. Marche. Tu vois, mon vieux, comme on commande? C'était patent. Je ne te connaissais pas ces capacités de général de cotillon. Et tu as vu le résultat? Tu m'as rendu un de ces services que l'on n'oublie pas. Tu veux qu'elle te fiche la paix? Ah, mais naturellement que je le veux. Je ne veux rien d'autre. Alors, comme dirait mon oncle Frédéric, entortille avant qu'on t'entortille. Attaque l'ennemi, il se dérobera. Oh, tiens, voilà Léon. Il donne l'impression d'avoir avalé un cheval dont la queue serait restée dehors. Quel est ton avis sur notre programme de revendication? Il est ridicule. Alors tu es de ceux qui disent que les hommes sont très bien dans l'état actuel des choses? Non, je veux tout ou rien. Ah, non, tout c'est beaucoup trop. Je suis un homme modéré. Mais tu dois sans doute faire partie du PAMU. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le parti autoritaire masculiniste. Nous avons formé le PIM, parti indépendant masculiniste. Aucun de nos adhérents ne nie que notre sphère d'influence naturelle dans la société est le foyer. C'est régulier. Mais le bien-être des petits, le coût de la vie sont des choses dans lesquelles nous désirerions intervenir, mais sans nous immiscer dans des problèmes plus vastes. Si c'est pour si peu de choses, ça ne m'intéresse pas. Je m'inscrirai plutôt au PAM. Et moi aussi. Léon! Mais que fais-tu? Je t'ai demandé de payer la note d'électricité. Oui, tout de suite, Tourterelle. Nous nous reverrons. Oh, c'est assez vu, mon joli. Mais que faites-vous ici? La reine vous a demandé. Bon, j'y vais tout de suite. C'est ça, à mardi. Non. Viens ici, fleur sans barbouze. Qui ça, moi? Oui, je sens que je vais t'adorer, joli Chiquichi. Tes yeux sont des lunes d'amour. Oh, on ne m'a jamais dit ça, joli Chiquicha. Moi? Qu'est-ce que tu en dis? Rien, puisque vous êtes déjà marié, alors, c'est que... Attaque l'ennemi, il se dérobera. Petite chérie, tu es mon trésor. Oh, vie de ma vie, cœur de mon cœur. Oh, bonne mère, je suis foutu. Je suis foutu. M'a fait l'honneur de me demander. Oui. En quoi puis-je lui être utile? Je désire que tu me fasses les mains. Assieds-toi. C'est drôle, vous ne me la tentez pas? Je ne sais ce que vous voulez dire. Votre Majesté ne sait pas que ma spécialité n'est pas les mains, c'est les cœurs. Ah, tu es médecin? Oui, j'étais cardiologue. Cardiologue? Hein? Tu as écouté beaucoup de cœurs? J'avais assez de clients pour en vivre. Combien faisais-tu payer la consultation? Mes traitements étaient absolument gratuits. Dans ce cas, les clients devaient être nombreux. Je m'étais spécialisé dans les cœurs féminins. Tu as donc beaucoup de goût? Non, car hélas, je ne connaissais pas la reine de l'Éden. Menteur, tu es bien un homme. Tiens, dis-moi, tu t'épiles sans doute tes joues pour qu'elles soient aussi veloutées que les nôtres. Ça vous déplaît? Tu es fat et frivole comme tout ceux de ton sexe. D'ailleurs, je dois dire que je n'aurais jamais cru qu'un homme sans barbe puisse paraître aussi frais et séduisant. Je vais piquer un phare. Ce serait tout naturel. Travaille. Dans ton pays, on fait sans doute les mains à l'envers. Je suis indiscret, j'essaie de lire votre destin. Aujourd'hui, on ne croit plus à toutes ces bêtises qui avaient cours à l'âge de la gasoline. Ça paraît bizarre de croire encore à cela. Chez nous, toutes ces choses sont remisées avec la vieille lune. Qu'est-ce que tu lis? Mais c'est incroyable! C'est extrêmement rare, c'est une main unique que la vôtre. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de ligne de cœur. Avez-vous un cœur? Tu es un insolent! Bon, je me suis trompé, sans doute, puisque vous allez épouser ces sept boucs chenus. Oui, tu te trompes. Ce sont les hommes les plus savants du royaume. Alors en Éden, le conjugo paraît plutôt une chose scientifique. Pour une reine, oui. C'est un problème plus vieux que vos futurs maris.
le mariage pour raison d'État. Aurais-tu l'audace de te moquer des lois de notre bien-aimée Ève première? Ah, c'est ça, Ève première. Exactement. Mais je croyais que c'était une championne de natation. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien qui dépasse, elle est plate. Comment fit-elle pour améliorer la race? Quel manque de goût. C'est le genre de bon mot qui fut inventé par l'opposition masculiniste. J'ai horreur de ces plaisanteries. Par exemple, il y a des mécontents chez vous? Il y en a partout, hélas, et surtout les retardataires. Incroyable. Comme tu vas essayer de t'adapter à notre forme de vie, je vais te donner un conseil. Ah. Un beau garçon comme toi risque à chaque pas de perdre sa vertu. Il doit avoir soin de sa réputation en menant une vie tranquille. Pour se marier gentiment un jour et être un bon époux, c'est cela? Exactement. Majesté! C'est l'heure des audiences, Majesté. Sors. Je suis au divin petit pied de votre Majesté. La première personne citée est la constructeur des vedettes astronautiques. Mademoiselle, cette personne paraît dangereuse. La constructeur astronautique? Non, le manucure. Il faudra surveiller surtout ses minutes de loisirs. Celle du torero également. Si votre majesté me le permet, je vais moi-même me charger de cette mission. Faites-moi la faveur de me confier la clé de la bibliothèque secrète. Pourquoi? Pour étudier leur origine. Parfaitement d'accord. Venez que je vous la donne. Halte-là! Alors, elle te traite bien, notre reine? Quelle idée! Est-ce que vous croyez que je me laisserais traiter d'une autre manière? Oh, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ah bon, tant mieux, parce que je suis un petit gars honnête, moi. Bien sûr, tu es gentil. Au fait, que dirais-tu de venir au bal ce soir avec moi? Tous les deux? Tous les deux? Oh non, je dirais qu'avec ma mère. Mais si, emmène ton compagnon comme chaperon. C'est un homme respectable et nous trouverons bien un moyen de nous en décoller. Hein? Bon, d'accord. Votre table est réservée. Je regarde pas ce garçon. Et toi, cache tes jambes, mon cher. Et je t'ai dit de ne pas fumer en public. Je vous demande pardon. Je ne sais pas. Je te montrerai. On vient. Allons danser. C'est effrayant. C'est un scandale. Qui a permis aux nouveaux esclaves de sortir du palais? Regardez-moi ça. Oh, pardon. Tes pieds sont si fins que je ne les ai pas sentis. Tu es un ange, petit brun chéri. Ça y est, Madoué. Sainte Vierge, Saint Paul et Saint Émilion, protégez-moi. Vous perdez l'esprit, je crois. Majesté, je le crains. Je m'excuse de ce langage, mais j'ai aperçu Courreau. C'est une façon de s'exprimer de chez lui. Je vous demande pardon, Majesté. Je m'en vais au cabaret. Et tu crois que ma ministre de la guerre est sortie avec l'esclave au costume brodé? Oh, c'est certain. Je pense que votre Majesté devrait y aller. Oh! Que dirait le peuple? Ce serait un geste hautement démocratique. Naturellement, vous iriez en compagnie de vos 7 futurs époux. Dites à l'orchestre de jouer ça tout de suite.
chaleur. C'est naturel, Majesté. La chaleur se produit par combustion ou par le frottement de deux corps. Le fer est bon conducteur de la chaleur. Le bois ne l'est pas. D'après ce que je vois, la ministre de la guerre est en fer. Hoy me dejaron de herencia mi padre, además de la luna y el sol, y una bata cuadrada lunares, ole, que conmigo el mundo recorrió. Es muy poquita cosa, eso es la verdad, pero soy dichosa y pudiendo cantar. Porque yo soy de la raza Caleb, que el mundo dictó su ley, hija de padres gitanos, y llevo sangre de rayo en la palma de la mano, y llevo sangre de rayo en la... Ole ahí, maldita sea, y que se mueran todos los feos, lo digo por ti, sal resalado y resalado y saladísimo, y palma de la mano. Ah, porque yo soy de la raza Caldí. C'est trop, c'est un scandale. Il nous faut prendre des décisions. Il nous faut aviser la ministre de la guerre. Ne danse donc pas. Ne me parle pas si je ne t'adresse pas la parole. Et vous ne le faites pas? Non. Tu es comme le marbre. Dommage. Miroir qui ne reflète rien. Incapable de manifester le moindre sentiment. Tu es dur, insensible. Froide reine de mon cœur. C'est intolérable ce discours. C'est assez. Je ne parle pas à votre majesté. Est-il interdit à vos fidèles sujets de parler à qui leur chante? Est-il interdit de parler seul? Votre majesté ne serait-elle pas une souveraine démocratique, même si elle n'a pas de cœur? À qui adressais-tu ces beaux discours? À la statue de votre illustre prédécesseur, pour voir si elle accepterait de vous rendre votre cœur. Que le destin me garde de connaître le pays où de telles insolences sortent de la bouche des hommes. Si toi tu parles ainsi, comment s'expriment les femmes où tu es née? Doucement et suavement. Je t'en prie, ne me fais pas rire. Ce serait un grand plaisir de vous voir rire. Tu es donc partisan du gouvernement des hommes? Oui, je suis partisan du sexe fort et amateur du sexe faible. Dans ton pays, les hommes courtisent les femmes? Vous plairait-il de savoir comment nous faisons? Je me sentirais humiliée. Essayez une fois. Cela a l'air ridicule. Mais non, fermez les yeux. Laissez-vous aller. C'est un jeu enfantin. Tu te moques de moi. Je devrais te faire mettre en prison tout de suite. Allez-y.
Depuis que j'ai vu ce que deviendra votre jeunesse, rien n'a plus d'importance. Pourquoi se rebeller contre la destinée? Vous ne comprenez pas qu'il n'est rien de comparable à se sentir enlacé dans les bras d'un être que l'on désire. C'est ridicule. Je ne sais ce que tu veux dire. Votre cœur ne dit-il jamais rien? Ne bat-il pas? Ne vous donne-t-il pas quelquefois l'envie d'être deux? D'être embrassé par un amant passionné? Jamais. De vous laisser aller entre des bras, comme si vous étiez emporté par un torrent. Serais-tu capable de passer ton bras autour de moi, comme si tu étais une femme? Un seul, non. Les deux. Garde donc comme la reine se met au pas. Je l'aurais dit, je ne l'aurais pas cru. C'est une chose inconcevable. C'est une victoire inouïe pour les masculinistes. C'est donner raison aux PAM et aux PIM. Quel exemple pour le pays. C'est un attentat intolérable contre les femmes. Il faudra prendre des sanctions urgentes. Puis-je compter sur toutes les générales? En général et en particulier, ma générale. Ça fait 990 minutes qu'elle est comme ça. Sans dire un mot. C'est très grave, je crois. Attention. Silence. La reine s'éveille. Taisons-nous. Écoutez. Faisons bien attention. Baiser. Elle a dit baiser. Baiser, c'est ça? Elle a dit baiser. Baiser. Toi, le grand maître des langues mortes, que peut signifier ce vocable inusité aujourd'hui? J'avoue que je ne saisis pas. C'est extraordinaire. Êtes-vous sûr qu'elle ait dit baiser? Oui. Comment allez-vous, Majesté? Je me sens bien seule. Je crois qu'au XVIIe siècle, un baiser était la marque d'un tendre amour. Baiser signifiait poser ses lèvres sur... Poser ses lèvres sur quoi? Sur d'autres lèvres. Les lèvres d'un être aimé. Alors, elle pensait à nous, certainement. En voilà une histoire, c'est incroyable. Et quelle étrange maladie, quel remède proposez-vous? Bon, que décide-t-on? Nous sommes en plein cirage. Toutes nos connaissances et notre intelligence sont au pied du mur. Vous n'allez pas la laisser mourir. En tout cas, prenez toutes les dispositions utiles au cas où, malheureusement, une issue fatale se produirait. Oui, et pour une élection immédiate. Je n'oublierai pas votre fidélité. Le torero Kuro est très savant. Vous ne mettrez pas la vie de sa majesté entre les mains de ce barbare. Ce serait une profanation. Vous êtes aussi arriéré qu'au XXe siècle. Peut-être la secrétaire de la reine a quelle raison. Barbare. Allez chercher les étrangers. C'est intolérable, c'est monstrueux. Laissez donc. Je crois qu'au fond, ça peut peut-être nous aider. Connaître votre avis sur l'état de sa majesté. Avec joie, fillette. Elle a de belles dents. Le grain de beauté est authentique. Allons, torero de banlieue, ôte-toi de là. Ma grand-mère dit que quand il y en a pour un, ça suffit pour deux. Alors je plains ton pauvre grand-père. Mais que dites-vous de ce cas, mon cher Diaphorus? Je vais la guérir, j'ai un truc infaillible. Bon, très bien, alors essaie. Écartez-vous, de l'air. Psst.
Baiser. Baiser. Je sais déjà ce qu'elle a. La fièvre des baisers. Et ça se guérit? Vous allez voir ça. Ma reine, tu es si jolie. Mon amour, je t'adore. Mon cœur cherche ton cœur. Tu es toute ma vie. Je t'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un scandale! C'est une profanation! Sa vie ne suffira pas à payer un outrage de cette sorte! À mort! À mort! À mort! Silence! Incarcérez-les et déportez-les dans le prochain convoi pour la Silvérie. Madame la ministre de la Guerre, exécutez mes ordres immédiatement. Encadrez-les! Pourtant, je l'ai guérie. Elle ne se rend pas compte que c'est ma méthode particulière, cette ingrate. Mais elle y a goûté. Elle me rappellera. À bientôt. Ne nous faisons pas de bile. Allons faire pousser nos barbes en Silvérie. Attention, demi-tour. En avant. Marche! Je suis outrée. Je me demande pourquoi les hommes sont reçus avant nous. C'est dégoûtant. Passe. Hey, la clientèle augmente. L'épidémie de fièvre de baiser a l'air d'augmenter aussi. Faut voir le mal que se donne Gouraud, il est épuisé. Ah, et Adam? Il les a retournés, comme on disait au temps de Carco. Entre, je t'en prie. Mmh. Et vous alors? Est-ce que ça va mieux, la santé? Oui, mais j'aime mieux continuer la cure encore quelques temps. Dommage, c'est vite fini, docteur. Tiens, voilà un petit cadeau. Je dois revenir, petit docteur? Mais oui, mon enfant, mais j'ai un travail fou, je suis débordé. Venez lundi à 3h30 et ne soyez pas en retard. Merci, gentil docteur chéri. Mais c'est moi qui te remercie, ma poule. À la semaine prochaine. Envoyez la suivante. Le numéro 17. Une vache. Ce n'est pas assez? Il faut toujours donner 5 vaches pour commencer le traitement. J'en ai déjà donné 8 de pourboire pour entrer ici. Et ce n'est pas un pourboire, c'est une ouverture, comme dirait notre docteur Courault. Je t'ai acheté une friture de merlan. De la mer rouge? Non, du marché noir. Tutut. Ah. Magnifique! Nous sommes au-dessus des parties. En cet instant émouvant, cesse d'exister le PAM et le PIM, et naît, puissant et vigoureux, le BOUM! Le BOUM! Le parti, unifié, masculiniste. Oui, mort au PIM et au PAM! Vive le BOUM! Vive le BOUM! Tous pour un. Et un pour tous. Je suis crevé. Tenez, ce sont les recettes de la journée pour financer notre cause. Des milliers de vaches. Oh, il y a de quoi nourrir l'Europe. Vous me permettez de reprendre une vache? Je voudrais m'acheter de la pommade rosa, j'ai les lèvres gercées. Quel dévouement, lèvres rosa. Merci. Quel est notre plan d'action? Primo, procéder à la fabrication immédiate de 100 000 appareils identiques à celui-ci. Quel est cet appareil étrange? C'est la serpette d'or, le symbole de notre parti. Secondo, le jour 200 éclatera la grève des bras croisés sur tout le territoire. Tertio, le jour 217, dès que nous aurons les serpettes, ouais. Rasage de toutes les barbes du royaume. Oh, magnifique! Oh. Tu es un génie! Vive Adam Premier! Vive Adam! Ah, je ne serai pas roi! Ah, le trône est sacré. Ouais. Je suis dévoué à la reine. Vive le boum! 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 Ah là là! Ah là là! Boum!
ceci n'est que la preuve de l'existence du pouvoir. Et l'identité de ce chef. Alors vous croyez que... Je ne crois rien, Majesté. Vous avez entre les mains les preuves les plus formelles. Vous voyez bien que j'avais raison. Votre Majesté est toujours la plus sage. Que me conseillez-vous? Je pense, Majesté, que la situation ne laisse aucune alternative. Il faut les déporter immédiatement dans vos mines de sucre en poudre de Silvery. Ils conspirent contre la couronne, ils conspirent contre la tradition, et c'est là tout ce que vous suggérez. De les envoyer connaître les douceurs de l'exil à mes frais, c'est une aberration. Est-ce là toute l'énergie que vous inspire votre fonction? Ou serait-ce que le ministre de la guerre pourrait laisser passer ses sympathies personnelles devant son devoir? Je suis aux ordres de votre Majesté. Qu'elle ordonne, et j'obéirai. Qu'on les fusille immédiatement. Ils sont parfaits. Ils sont d'avant-guerre 14. Et qu'est-ce qu'il y a de neuf? Notre plan a donné des résultats magnifiques. Nous sommes tout près du triomphe. Le Poum s'emparera du pouvoir dans quelques jours. Oui. Qu'est-ce qui vous amène, Poulette? Pour crime de lèse-majesté, les nommés Adam Precioso et Curro Calvo seront passés par les armes ce soir. C'est pas malin de plaisanter avec ça. Ouais, plaisante pas. Et ça n'est pas une blague, c'est tout ce qu'il y a de sérieux. Ouais, ne t'en fais pas, mon vieux. Suivez-moi, et pas de résistance. Mes enfants, surtout gardez courage. Un jour viendra où la serpette vaincra. Au revoir, à mardi. En avant! Marche! Delirio de querer, delirio de sentir los besos de su amor que quiero para mí. No puedo resistir angustia tan mortal y lloro mi destino tan fatal. Qué amargura, qué cruel desventura se anida en mi alma ansiosa de amar. Perdida la calma, cómo me tortura saber que mañana él no existirá. Ni siquiera me queda un retrato que alegre lo ingrato de mi soledad. Y al ver estos siete pelagatos, maldigo mi suerte y mi adversidad. Martirio de vivir, martirio de saber que aquel que es mi querer mañana va a morir. Llorar y no poder calmar este sufrir, penar con mi dolor y sin su amor. Ève première, pardonne-moi, mais le doute torture mon âme. Et je me demande si ta grande révolution avait sa raison d'être. Oui, moi, Ève 42, l'ultime, la plus humble de tes successeurs, je me prends à penser que tu as pu faire erreur et que les hommes sont... Honte sur toi! Je suis coupable et je reconnais ma faute. Le devoir est roi. Garde ton cœur froid. C'est que ton cœur, sans doute, est toujours resté muet. Insolente, tais-toi. C'est un secret d'État. Pas de regrets, de fariboles, de soupirs. Ton Adam adoré doit mourir. On dirait des femmes. Ils sont si jeunes. Ils n'ont jamais aimé. Un moment.
Clon sur soi à l'exécution des étrangers, Kuro Calvo et Adam Precioso. J'ordonne que la peine de mort soit commuée en déportation perpétuelle sur le territoire de Silverie. Sur mon ordre, F-42, reine de l'Éden. On l'a kidnappé. Qui donc? Adam. Qui l'a enlevé? C'est un peloton d'Amazones masqué. Alors, c'est la révolution? Le peuple se révolte? Non, non, c'était des chevaux de l'armée. Il faut prendre des mesures de toute urgence. Faites venir immédiatement et sans délai à mon cabinet la ministre de la guerre. Et que devient le POUM? Il enroule des femmes. Si les femmes prennent le parti des hommes, nous sommes perdus. Majesté, la ministre de la guerre est partie à la campagne dans son château. Quelle direction ont pris les Amazones? Celle de la côte. Dans ce cas, il n'y a plus aucun doute. Votre Majesté suppose que la ministre... Je ne suppose rien, mais je sais quel regard de flamme elle transperçait Adam. Alors, c'est une trahison? Plus qu'une trahison. Oubliez ce devoir pour un homme. J'imagine donc votre Majesté serait heureuse et qu'Adam soit passé de vie à trépas. Non. Si. J'ignore ce que j'aimerais. Mais c'est plus fort que moi. Je m'efforce de penser au devoir qui m'incombe et à la tradition glorieuse du royaume. Le souvenir de cet homme ne me quitte pas une minute. Je me demande ce que j'ai. Je le sais, Majesté. Alors parle. Ne crains rien, tu peux parler. C'est vrai? Oui. En toute liberté? Oui. Votre Majesté est amoureuse, éperdument amoureuse. Amoureuse? Ce serait la première fois dans l'histoire du pays qu'une reine connaîtrait cette disgrâce. Amoureuse, dis-tu? Tu as raison. Éperdument amoureuse. Il s'appelle Adam, je le connais. Que vais-je faire? Petit poisson qui s'endort est emporté par le courant. Ève, va chercher Adam. Votre Majesté ne va pas tolérer que la ministre de la guerre garde chez elle votre doux Adam? Non. Donnez des ordres pour qu'on l'arrête alors. Non. Dans ce cas... Il ne s'agit pas d'une chose officielle. C'est une chose particulière. Bien particulière. Cette péronnelle. On va bien voir qui est la plus forte. On ne gagne pas un garçon en donnant des ordres, mais en corps à corps, face à face, de femme à femme. Et lui? Lui? Pourrais-je vous donner un conseil? Dis. Kuro. Que m'importe ce que peut faire Kuro. Mais je l'ai conquis en lui parlant de son pays. Bon, alors je gagnerai le mien à la mexicaine. Donne-moi des livres qui traitent des coutumes de son pays. Pas comme ça, plus aigu, plus vibrant. C'est ça. Voyons la suite. Mais lorsqu'un Mexicain sait que sa belle le délaisse, sa première idée est d'aller dans un café noyer son cafard dans des verres de tequila. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons les bouteilles qu'on leur a confisquées. Eh bien, allons au café. Et mort au cafard. Entre le sixième et le septième, il commence à être très gai. Dans le tequila. Tequila, c'est du feu. Encore un verre, je me sens déjà mieux. Et la fille offre ses lèvres au beau gars ou qu'elle adore. Et après le septième, ils prennent le huitième. À la tienne. À la tienne. Si mon sort est de mourir bientôt, au moins je mourrai joyeusement. À la mexicaine. Ensuite, ils vont chanter une sérénade à l'objet de leur flamme. On va en faire autant. À la résidence de la ministre? Je suis lasse.
Chaque coq chante pour sa poule, mais le mien chante jamais ministre. Il vient d'un peu partout, d'un coq gaulois. Venez, allons lui faire une sérénade. Y quitarles tus enojos con un beso, nada más. L'oiseau en cage n'a jamais très faim. Allons, chérie, pas de cafard. Tu verras quelle vie extraordinaire tu vas avoir quand je monterai sur le trône. Tu seras mon favori. Je mettrai cette maison à ton nom, mon petit. Tu auras deux hélicoptères pour ton service particulier. Une chauffeur nègre et une japonaise. Tout ça, c'est très joli, mais je préférerais la liberté. Oh, attends, chaque chose en son temps, mon petit lapin. Et pour que tu vois que je pense toujours à toi, que je vais au-devant de tes désirs, regarde ce que je t'ai acheté. Un chihuahua. Et il est scellé à la mexicaine. Ça vaut combien? Ton amour. Doucement, ministre intègre, je ne mange pas de ce pain-là. Vous m'offensez. Vous croyez que je suis un petit gigolo? Quelle indignation! Il est des gestes qui rendent impossible toute discussion et toute réflexion. Tu es très amoureux, n'est-ce pas? Oui, et alors? De l'ex-reine. Comment de l'ex-reine? Déjà, le palais doit être occupé par mes partisanes. Et Ève? Evita? Qui sait où elle peut être maintenant? Ceci n'était pas dans mon programme. Si te de querer a ti, aunque otras tengan disgusto, si me has de querer a mí, no más para darme gusto, al verte me enamoré. Y desde entonces te quiero, mi amor es del mero mero, mi amor es del mero mero. Si quieres lo probaré. Ay, qué lindo es tu cuerpo fornido. Qué re chulo tus ojos soñados. Tú eres mi amor tan querido, ven a mí, ven a mí, amorcito, ven a mí. Y ahí pasó mis otros ojos, porque esta se me están cayendo. Desde el día en que te vi, hiciste que te quisiera, por ti el corazón perdí. No dejes que se me muera, no tengas miedo, mi amor, que estás seguro conmigo. Levántame ya el castigo, levántame ya el castigo, que mata mi corazón. Cuerpo fornido, que re chulo tus ojos soñados. Si tú eres mi amor tan querido, ven a mí, ven a mí, amorcito, ven a mí. Aquí vengo mi querer a reclamar, la muerte en mi mano tengo, para quien la quiera hallar. A todo estoy decidida, mi vida me juego aquí, yo no vengo a ver si puedo, porque puedo estoy aquí. Para defender amores, yo también soy muy capaz, y al palomo entre las flores lo guardo pa' mí nomás. Estoy lista con mi espada, mi pistola o mi puñal, y a una reina desairada la espero para pelear.
esa la postura que tomó en esta ocasión. Su ridícula locura solo inspira compasión. Entrégueme esta criatura que es mi vida y mi ilusión, pues si no yo le aseguro que le parto el corazón. No haga alarde que el palomo que guardo en mi palomar, si usted quiere su abandono y de mí el modo de amar. Esa criatura indefensa tiene en mí su paladín, preciso es que se convenza que a la que quieres a mí. En su cariño hay vileza, hay bajeza y hay maldad. Y si le queda vergüenza, póngalo usted en libertad. Abusa de un pobre preso que sabe en cautividad. Le ordeno que sin tropiezo me lo mande a volar. Ces choses se règlent face à face. On va bien le voir. À l'instant, ma petite. Et où donc? Ici, tout de suite. Et faites revenir la garde à son poste. Descendre immédiatement la troupe dans la rue. Barrez le chemin du palais à la place. Si vous voyez les deux esclaves et l'ex-souveraine, ouvrez le feu sur eux sans sommation. Je vous rejoins tout de suite. Pour Mexico. Laisse-moi faire. Mais ma chérie, nous sommes deux. Préparez-vous à tirer. Un instant. Un instant. Majesté, vous avez un cran extraordinaire. Un cran digne du sang gitan. Prête. Tirez. Le dernier mot n'est pas dit. Les hasards de la guerre sont grands et j'ai une arme secrète. Allez, cours, petite souris. À mort tous les chats. Comment me trouves-tu? Oh, appétissant, plus qu'appétissant. Tu ne m'en remets pas. Oh, mais si, tu es... Oh. Par la présente, nous, Adam Ier et Ève 42, proclamons que mesdames les ex-ministres resteront au service particulier de son Excellence, Monsieur le ministre de la Rééducation féminine, qui surveillera personnellement leur réincorporation au nouveau régime. Monsieur le ministre de la Rééducation féminine. Vous connaissez toutes quelles seront vos nouvelles attributions? Oui. Très bien, on va voir. Numéro 1. Votre fidèle gouvernante. Numéro 2. Votre modeste couturière. Numéro 3. Votre jolie lectrice. Numéro 4. Votre obéissante cuisinière. Numéro 5. Votre humble lavandière. Numéro 6. Votre délicate manucure. Numéro 7. Votre honnête masseuse. Quel est ton numéro? Il ne doit pas y en avoir plus de 7. Pourquoi 7? Parce que 7 est un chiffre biblique. Dieu a créé le monde en 7 jours. Et 7 sont les péchés capitaux. 7 les femmes de barbe bleue. 7 et pas un de plus les sages de la Grèce. 7 les vaches maigres et 7 les vaches grasses.
Mais il vaut mieux ne pas parler de vaches, car dans votre pays, les vaches étaient la monnaie nationale et elles n'étaient pas toutes dans les banques. C'est pour moi que tu dis ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire, pauvre petite abandonnée? Tu vas salir ta belle robe de chambre. Oh, pardonne-moi. Tu n'es pas contente que les hommes gouvernent leur royaume? Mais si, bien sûr. Veux-tu que je te prie de me donner mon poudrier? Et tu te rends compte que c'est dans l'ordre naturel des choses? Inutile de me le répéter, je suis la première à le reconnaître. Mon petit poulet, donne-moi le peigne. Mais attention! Mais je t'assure qu'elle est un peu trop longue. Moi, je l'aime comme ça. Ça m'étonne, tes jupes sont moins discrètes. Mon petit poulet, donne-moi mes mules. Mettre Vitamine dehors. Tu sais qu'elle n'aime pas ça. Mais elle aime me mordre. Allons, chérie, sois gentille. Viens ici. Et laisse Vitamine. Mais je te dis que je veux la... Je veux tout ce que tu veux, chérie. Bon, alors laisse... Jamais elle n'a dormi dehors. Mais tu n'es plus seule. Elle aime être ici. Ne me contrarie pas. Je t'en prie, laisse-la dedans. Non. Coco, chérie, tu peux dire non à ton esclave. Mon amour, qui est-ce qui t'adore? Toi. Mon joli, mon cœur. Laisse Vitamine. Non. Dans, chérie, mon grand fou. Mon maître. Non. Qui commande ici? Moi. Et tu me refuses une chose comme ça, une chose de rien du tout? Dis-moi que je peux garder Vitamine. Comme tu voudras, ma reine.